Donc bonjour, c'est Quentin Roche, je suis ingénieur procédé et responsable support aux opérations et performance et ça fait 4 ans et demi que je travaille pour Vaga Energy. Donc je suis ingénieur génie chimiste de formation. J'ai été diplômé en 2012 et donc avant de rejoindre Vaga Energy, j'ai eu un parcours professionnel varié, très axé sur l'industrie, en tant que démarreur ou bien en tant que support technique d'exploitation. Le métier de support aux opérations est constitué de plusieurs parties. Une première partie, donc, c'est pouvoir apporter une expertise procédée pour pouvoir résoudre des sujets complexes qui peuvent être portés par les équipes d'exploitation. Et la deuxième partie, c'est être proactif par l'analyse des performances du procédé pour être force de proposition dans l'amélioration du procédé. Pas vraiment de journée type, on est plutôt conditionné aux aléas de la production. Soit si on a des urgences pour remettre le parc en état de production, c'est des problèmes qui peuvent survenir d'un jour à l'autre. Et après on peut avoir des semaines qui sont moins rythmées pour pouvoir travailler sur des sujets de fond. Être à l'aise pour pouvoir communiquer et poser des questions, puisqu'en fait pour résoudre un problème, ça passe beaucoup par la discussion pour pouvoir en dessiner les contours et bien comprendre où est le point bloquant pour pouvoir apporter la meilleure solution possible. La dernière qualité, c'est la curiosité. Surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on remet toujours en question l'état de ses connaissances, parce que des problèmes, on en a toujours des nouveaux. Chaque problème permet aussi de remettre en cause sa propre perception et compréhension de la machine. Ce qui m'a beaucoup attiré chez Vaga Energy, c'était que c'était une entreprise jeune à taille humaine, et donc il y avait beaucoup de choses à faire, et puis surtout une société avec un projet ambitieux, et donc avec beaucoup de challenges à relever pour le réaliser.